La saison de football est un moment important pour les mises. Vous songez à parier sur la partie de dimanche prochain? Voici votre guide du football pour placer des mises sur ProLine+. Avec autant de matchs prévus à chaque semaine de la saison, il y a des centaines d'issues de football sur lesquelles il est possible de miser. Jouer Sensé est là pour vous montrer comment vous y prendre. Avant de placer vos mises, nous vous invitons à vous familiariser avec certaines notions pour vous préparer au jour du match, notamment les types de mises, les options de mise et quelques stratégies courantes. Les types de mises sont les issues sur lesquelles vous misez. Par exemple, qui gagnera ou perdra ou quelle équipe marquera le prochain touché. Examinons quelques-unes des centaines de types de mises offerts sur ProLine+. Qui gagnera est le type de mise le plus simple. Il s'agit d'une mise fondée sur les probabilités des équipes de gagner ou de perdre le match. Les cotes associées à l'équipe qui pourrait gagner ou perdre sont affichées en vert sur ProLine+. Écart de points est un autre type de mise populaire. Il s'agit d'une mise selon laquelle il faut prédire par combien de points une équipe gagnera ou perdra en fonction d'un handicap de points assigné à l'équipe favorite. Les écarts de points aident à mettre les équipes sur un pied d'égalité pour ce qui est des mises. Puisqu'on s'attend à ce que le favori gagne, cette équipe devra gagner avec une marge de victoire dépassant un certain nombre de points. Puisqu'on s'attend à ce que le non-favori perde, une mise sur cette équipe pourrait toujours gagner si son pointage est assez proche de celui du favori. Les types de mises plus ou moins consistent à miser sur la probabilité que le pointage total combiné d'un match sera supérieur ou inférieur à un certain nombre. Avec ProLine+, en plus de miser sur cette issue, vous pouvez également faire de nombreux autres types de mises à différents moments du match. Par exemple, quel sera le résultat plus ou moins à la mi-temps? Ensuite, il y a les mises propositions, un type de mise qui renferme tous les autres événements pouvant survenir au cours d'un match, par exemple, qui marquera le premier touché ou qui gagnera le tirage à pile ou face. ProLine+ offre différentes options de mise ou façons de combiner vos types de mise sur une même fiche. La mise la plus simple se nomme « mise simple ». Il s'agit d'une mise placée sur un seul événement. Une mise combinée est une mise constituée de deux sélections ou plus. Finalement, une mise collective est une mise composée de 3 à 8 sélections préétablies. Le football est imprévisible et aucune mise n'est garantie. Voici quelques stratégies courantes à envisager lorsque vous faites vos sélections. Vérifiez les changements dans l'alignement, connaissez les équipes, établissez un budget et regardez quelle équipe joue à domicile et quelle équipe est sur la route. Vérifiez les changements dans l'alignement. Certains joueurs ont une grande incidence sur le terrain. Par conséquent, il est essentiel de savoir qui jouera et qui ne jouera pas au prochain match. Connaissez les équipes. Si l'une des équipes affiche de meilleures statistiques dans certains aspects clés, comme les passes, les prises de ballon ou les placements, elle pourra alors surpasser l'équipe adverse lors de leur prochaine rencontre. Établissez un budget. Décider d'un budget est un bon moyen d'éviter les dépenses excessives. Vous pouvez établir une limite de dépenses sportives personnalisée sur olg.ca. Regardez quelle équipe joue à domicile et quelle équipe est sur la route. Il peut y avoir un avantage à jouer à domicile à cause de l'énergie des partisans et parce qu'il y a moins de déplacements. Cela peut avoir un effet sur les résultats du match. Ces stratégies peuvent vous aider à faire vos sélections, mais n'oubliez pas qu'au football, tout peut arriver, même si vous faites vos recherches. Maintenant que vous connaissez les notions de base pour miser sur le football avec ProLine+, vous pouvez approfondir vos connaissances sur jouersensé.ca.